Attends, mais que vois-je? Mon engin de démolition, je suis passé carrément à la reconnaissance nasale. Bref, ici Medosh on the Dosh, j'espère que tout le monde va bien. 13,6 millions Medosh on the Dosh, mesdames et mes douf, pour les retrouvailles avec ma Vento Lines. Bon, elle a un petit peu changé de design coloré. Ah, j'ai eu un redesignement de fait. Medosh on the Dosh a eu besoin de changer de thème, quoi, de color. Voilà, on est sur ma petite Vento Lines. Donc là, je vais directement équiper mon fonceur majeur, ouais, parce que... Ouh. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fluide, franchement il est rempli de vitamines C, D, E, tout l'alphabet dans la vitamine, c'est perfectly. Bon, alors, on va jouer terrifiant. Ouais, non, pour le retour on va jouer terrifiant quand même. Alors là on est face au Pokémon que vous connaissez sûrement. C'est le Pokémon Kra. Alors c'est pas mon meilleur pote, mais bon tranquille. On va la jouer en russe croisement, on va la jouer classico del Karasikad, on va jouer Teo. J'ai pris bombardement, je sais pas si je prends pas. Non, je vais plutôt prendre Plombage. J'espère que Medosh on the Dosh va avoir l'initiative. En général, ils ont l'initiative via Sévir Voltant et non Erzegol qui est face à Medosh on the Dosh. Et il se présente. Oh là là. Oh non, je vous laisse constater les résistances. Oh, je n'y mettrai pas mon grain de sel. Je n'y mettrai pas mon commentaire. Je ne dénigrerai pas mon adversaire. Donc, Medosh on the Dosh, que va-t-il faire? Si ce n'est accélérer, telle une petite pétunia. Jamais. Jamais, non. Jamais laisser un Pokémon de ce type en travers de votre chemin. Donc là, je fous deux bombes. Mais Medosh on the Dosh, je vous avoue que ça fait bien une semaine passée qu'il n'a pas foutu un pied, ne serait-ce qu'un pied, sur la classe Roublard. Ça se trouve, je vais faire des conneries, on va voir. Ouais, je me permets en pleine vie des coudes, ouais. Moi aussi, j'ai envie de boire ma bonne humeur. C'est bon aussi. Putain, ça m'a... Oh là, mais attendez. C'est un retrait PA, mais si c'est un retrait PA, je vais subir, car je n'ai que 31 d'esquive. Oh! Bah, je vous ai dit que j'allais subir! Je vous l'ai dit! Alors, attendez. D'ailleurs, ça, je vais l'échanger avec ça. Je préfère que ce soit comme ça. Alors, on va faire tac-toc. On va faire 100. 100. 100. 100. 100. Et on va caler une petite bombinette comme ça! Tour d'après, j'ai le boost sur ma bombe à eau, et en plus, je l'ai foutu dans un mur, bien évidemment. Alors, on va peut-être pas voir, hein, je serai fortement navré, oui, je vous l'avoue, s'il n'y a pas un cri-cris d'ouf, mais, oh, punaise, ça envoie du saucé, ça. La chance de dodge qui n'a que 18%, moi aussi, je suis assez nu face à ce genre PVP, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Flèche percutante, mais ça marche sur tout. Même sur... Oh, damn it! Effectivement, ça marche sur tout. Bon, du coup, je disais donc, j'étais nu, moi aussi. Ouais, je fais une petite nudité, quoi, mais bon. Donc moi, je vais faire ça, hop. Ça. Puis on va se la tenter, hein. Qui ne tente rien à rien, aussi, dans la vie, des fois. Hein. Faut tester, pas de... Non, non, sur Ivoire, sur tout ce qu'il y a, quoi, voilà, tu vois, on lui fout 4, oh putain, voilà, tu vois, 451 PDV, Medosh qui n'a 2815, on a tenté un cri-crix d'ouf, on l'a tenté, sur un Ivoire, plus un non-dernier souffle. Putain, mais c'est vraiment un gameplay assez redondant, hein, du côté de Erzegold, mais bon, Medosh on the Dosh qui fait une reprise de volet, je dirais, sur le roublard, assez revigorante. Alors, il me flèche Repulsives, il va meuil de taupe pour faire de la régénération. Et il va bien évidemment continuer ses conneries, ça coûte que 2 PA, putain. Et ça envoie des steaks. Oh là là. Combien vais-je avoir de PA? On va voir ça. Allez, Medosh esquive, vas-y, s'il te plaît. Fais glisser au moins 1 ou 2 PA sur le côté, là. Ça... Oh là 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 là, super. Mais super, ça. Oh, franchement, super, quoi. Oh, je vais slider comme ça, là. Voilà, donc... Attendez... On va faire une petite flamiche quand même. Si on... Je l'ai pas mis dans le truc, vite. Oh là là, ouais, non, parce que là, j'ai dû remettre tous mes sorts et tout. C'était un sbeul, laisse tomber, vu que j'ai reroll. Tac. Tac. Un petit coup de cac, ça passe crème ou pas? Allez, fais-moi un beau jet pour finir ce mec. Oh, bordel. Dans le de Doge qui laisse 29 PDV sur Razer Gold. Punaise. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y, enfin, ma grande plutôt. Bombe le nichon, là, bombe le nichon. Bon bleu! Il a 9 PA. Il me fracasse. Par contre, il a pas l'expiation.
Oh, il me repercute. Il a pas le dos fusé, mais il me reste un PA, mais non, je suis à 568 PDV. Oh, j'espère que ça va pas me tuer, là. Ça va me tuer, son sort, là. Oh là là, sa grand-mère, la reine des douches. Ouais, non, mais ça me fait du bien de jeter des petites bombinettes au coin de la gueule de mes adversaires. C'était mes deux chances de dodge face à Herzegold. Bien joué à toi, mon ref. Si jamais tu regardes des vidéos sur YouTube et que tu tombes sur la mienne, voilà, non. Ici, on inspire la bonne humeur, voilà, c'est bon. En plus, t'as joué un petit peu comme un petit salopio. Non, mais après, j'avoue que voilà, on t'offre la possibilité de jouer un crack qui retire des PA, espèce de petite tartine fruitée. Mais moi, j'en ai rien à secouer, voilà. Qu'est pas ça, amigo. La fuerte des cracks est de retour. Je sais pas, il y a une mise à jour, j'ai pas trop suivi ces derniers temps, j'avoue. Je suis resté sur le bas côté. J'ai fait des petits vlogs et tout. Ça va arriver en perspective. Putain, mes deux chances de dodge qui est toujours et encore dans la diversité. Et vu que je vais finir mon taf, mon charbon de mort, là que j'ai mon BTS à grand-mère, la reine des tulipes, je vais Charbonax. Ah, la diversité de la chaîne va se prononcer. Non, parce que je vois bien que vous démontez autant le pouce bleu sur les vidéos de Medage and the Dodge sur Dofus et aussi les vlogs, tout ça. Vous venez consommer de la bonne humeur au max. Je vois dans les commentaires et tout sur les pouces bleus. Ah, ça me fait du bien. Non, franchement, ça me fait plaisir parce que voilà, je vais pas vous le répéter 15 fois, mais la diversité apportera à Medage and the Dodge une mission QLH plus pertinente et plus rapide. Et ça fait plaisir, ça. Alors attendez, est-ce que j'aurai l'initiative face à ce Pokémon? Bien évidemment. Mais j'ai bien peur que lui aussi... Oh là là, mais il s'est pointé avec 5% dans la capacité de résister à mes dégâts. Mais que fait-il vraiment? Il est fou, j'ai l'impression qu'il est à fleur de peau. Tu vois, il s'expose à un soleil du Sahara d'Algérie, tu vois. Sans mettre ne serait-ce qu'une goutte de crème. Non mais là, fallait au moins mettre de la 50. Là, putain, tu vas brûler vif. Je vais t'exploser directement ton poil d'encre, là. Oh là, faut jouer à Dofus aussi. Excusez-moi. Je suis perturbé par ces résistances là. J'ai même pas le temps de foutre ma boue. Non mais ouais, mais plus parler qu'agir aussi, c'est pas mon tempérament. Qu'est-ce que je fous là? Non, je suis trop content. Je suis excitasse de ouf. Oula. Ah ouais, non, ça venait de... D'accord, excusez-moi. Non, parce que... Ouais, vous avez remarqué, j'ai pas mon casque de DJ français. Bon, j'aurais coupé la LDV, hein, évidemment, mais... il est terre. Il est terrifiant comme moi. Ça fait play coude. Après, mes Dodge and the Dodge... aime bien se permettre des petites erreurs et venir contrecarrer directement l'adversaire, tu vois, c'est plaisant aussi comme gameplay. Alors, tac. Voilà, donc là, on va directement pouvoir rusher ce joueur PVP français. Alors, on n'a absolument pas pris de quoi... voilà. Hein. Ça va le sépou. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais caler ma bombe comme ça. Je vais me foutre là et je vais récupérer des PA sur celle-ci. Il va peut-être, je dis bien peut-être, parce que je lui ai libéré une ligne de vue ici. Allez dans ce sens, ici va dans ce sens, mais c'est vraiment trop bien. Eh bien non, il va cavaler par ici, parce qu'il voit très bien que celle-là, elle est gonflée, qu'elle a envie de faire du sale side, qu'elle a envie de grix-douf pour le peuple qui aime regarder mes tâches sur Dofus. Par contre, il est en train de la latter, hein, il est en train de lui mettre son coup. Ah, mais il a l'ivoire. Oh, il a mis un ivoire. Ah, quoi? L'ivoire se débloque que sur moi? Non. Jure-moi ça, garçon. Ok, très bien. Attends, mais avec ces résistances en chips molles là, hein. Des chips que t'emmènes pas en soirée tellement t'as honte. Mais je vais lui mettre ça saucé à ce jeune homme. Qu'on se le dise, putain. Attends, ce que... Non, je ne pourrais pas. Je peux juste faire un kick d'ouf de la part du jour pour des visages de dodge. C'est terminé directement, excitase en 2 minutes 14 en 3 tours. Mais évidemment, oui, c'est le moment de mettre une grande descente du... sur le pouce bleu, si vous kiffez la vidéo, quoi. Ouais, je vais me permettre d'en faire une troisième quand jamais 200 coudes, hein. C'est partoche. J'ai l'impression que nous sommes face à un sacrilleur, mesdames et messieurs. Douf. Écoutez-moi bien, bande de petites clés de 12. Mais dans la chambre de Doche, ne va pas foutre son stuff. Oh, non. Non, je vais faire en sorte de lui mettre une raclée avec un bon mot terre. Voilà. On va faire ça terre-terre jusqu'au bout. Voilà, la cité, ça peut vouloir dire, aussi deux fois la gueule de rove, un pet, hein, le pétou. Voilà, après vous l'appelez comme vous avez envie. Mais moi je vais jouer terre, j'en ai rien à secouer. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'aurais bien mis un ébène pour détacler, mais... Je pense que je vais foutre ça plutôt. Je foutre ça. Et attendez. Et un plombage, voilà, je vais prendre... Non, un bombarde, parce que ça pousse pour éviter qu'il me colle. Et il est absolument pas R, j'ai mis des résistances R pour rien, merde. Fais du terrain en plan, je me redirige sur mon smartphone et je fous de la musica de la qualité. Alors, j'ai l'impression qu'il est plutôt haut, hein. Et que bah, j'ai plutôt des résistances... Pardon, on va juste se concentrer, ça va être mieux. Alors, tac, ça tape la nozo comme never, ça on le sait. Il faut faire attention, Ness. Il faut faire très attention. Je vais me caler l'attaque. Ah, j'espère qu'il n'a pas la capacité de se téléporter, mais je pense qu'il l'a pris. Hein. Les sacrés, par contre, je ne sais pas en quoi ils ont été nerfés. Hein.
J'ai entendu des rumeurs, tu vois, je les ai entendues vagabonder, tout ça, j'ai un sourcilement, tu vois, ça a un petit peu décoché le miel pops qui peut se créer dans mes oreilles. Mais ouais, c'est toujours. Ouais. C'est toujours pas mal, moi. Moi. Ça fait toujours mal, quoi. Hein. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est pas grave. Alors. Alors, tac. 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 On va caler une bombe comme ça. On va se barrer de night. On va faire une dispersion. Une triple dispersion comme ça. Histoire de temporiser un petit peu. Lui, il a combien? Il a 40%. Hein. Putain, il résiste le garçon. Mais j'envoie quand même un 400 dans son torse. Hein. Ok, on lui fait donc penser DPI, il en reste plus que 9. Fuckboy. Oh, c'est trop un fuckboy ce jeune homme. Il a 3073 PDV, mais un chance de dodge qui ne se dégonflera pas. Cette fois-ci, face à un sacré, je ne vais pas équiper mon stuff, vous l'avez bien vu. Malgré que j'ai foutu une bombe haut là-haut. Ouh, ok. Mais un chance de dodge, donc, il a envoyé quoi là? Il a envoyé une flamiche, donc il a activé son ébène avec une flamiche. C'était assez rincé. Mais bon, ok, il m'enlève un PM. 3300. Est-ce qu'il est en mode réduction de taléouf là? Ah non, il s'est même. Ouais, un petit peu. Mais c'est léger quoi. En léger. Par contre, il peut pas me tacler, ça c'est cool. Oh putain, la vitalité est vraiment dantesque. Je mettrais bien un arquebuse, ça dure combien de tours cette connerie? On va faire ça. Hein. On va décale comme ça. On va éroder. Je pense que c'est le meilleur bail à faire pour l'instant. Et on va cavaler, bim! Bim! J'aurais pu, oui, désenvoûter, mais il y avait encore un tour de bouclier. Donc je pense que ça a été plus worth d'opérer comme ça, parce que là, il a déjà disparu, quoi. Je l'ai roxé sur de l'érosion. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère avoir fait le meilleur choix. Alors, il va accélérer. Oh, il va commencer à se mettre sur la sismobombe. Il avait pas récupéré de quoi me transpositionner, le guys, là. Alors, ce qu'il va faire, on va voir. J'ai trois bombes, là. J'ai un roubla bot, j'ai un tour loop. J'ai tout ce qu'il faut pour lui mettre sa race moquette. Ça va taper en zone là. Oh putain, j'ai résisté. Oh là là, j'ai tellement résisté. Tac. Tac. Oh là, si ça passe, putain, encore une fois, mais bordel de zut de flûter en temps. Il a combien de vitalité? 3126. Les bombes sont énormes, elles ont vraiment le torse bombé de ouf, mais dans le.